Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 151 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Game of Thrones Genesis. On avait fait Game of Thrones, le trône de fer. D'ailleurs, j'avais oublié le nom dans le générique. Et enfin, je l'avais pas mis en entier, du moins. Donc, c'est parti. On regarde les options vidéo, tout ça. Donc, ça me semble à peu près bon. Allez, réglages graphiques, on met au taquet. Bon, c'est bon, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, je. Ah, bah non. Ouais, non, faut redémarrer. Bon, c'est pas grave. On va jouer comme ça, campagne. Allez, on va jouer en normal. Pour pas se être trop difficile quand même. C'est pas du tout à quoi ça ressemblait le jeu, j'ai jamais joué. Je vous dis tout de suite. Alors, en progressant dans la campagne, vous pourrez découvrir les petits conseils sympathiques, le chargement. Petite musique qui est sympa aussi. La saga, le trône de fer. Allez. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Le chargement est un peu long. Ça demande pas la lune, hein, quand même. On pourrait jouer au Scrabble. Monopoly. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça montait très vite d'un coup, là. Allez, bientôt. Bientôt la fin. Je vais y arriver. On n'est pas sorti du sac, hein. Oui, tout de suite. Allez, en progressant. Allez, c'est parti. Démarrer. J'espère au moins qu'on aura une vidéo. Même pas. Émissaire, je vous attendais. Je veux que vous fassiez le tour des villes avoisinantes. Commencez par établir des liens commerciaux. Peut-être même forger quelques alliances. Nous allons en avoir besoin si nous voulons rester sur cette terre. La traversée a épuisé mon peuple et un échec finirait de nous achever. C'est pourquoi je m'en remets à vous, émissaire. Allez, maintenant! Bien, ma reine. Je m'en occupe immédiatement. La reine veut s'imposer par voie diplomatique en formant des alliances avec les villes et le château. Donc voilà, apparemment ça se présente sous forme d'un jeu de stratégie. Alors j'ai mes petits bonhommes. Je peux les faire déplacer, c'est plutôt bien. Où je veux. Alors lui là-bas, il a pas l'air d'avoir envie de bouger, l'autre, le mec en rouge là. Non, il a rien à faire. Je sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Alors on va aller se déplacer. Et on va aller faire ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire aller voir les villes avoisinantes. Alors, là c'est une ville. Alors ce que je contrôle, c'est un émissaire. Donc je pense que c'est juste de la diplomatie, c'est pas de la guerre pour l'instant. On va aller parler à un village là. Espérons que c'est pas un ennemi. Voilà. Donc on va aller leur parler. Allez. Nous avons un allié en plus. Nous avons un allié en plus déjà direct. Ah direct. Donc voilà, il y a une petite barre qui progresse là, le machin en vert. Hop. Hop, donc ça doit vouloir dire qu'il est à moi ou qu'on a totalement sa confiance se mettent en place. Ou quelque chose comme ça. Alors des allers-retours jusqu'à notre camp. Ensuite, donc là on a le petit bonhomme, vous voyez, le petit marchand qui va naviguer entre les deux villages. Et on a aussi la zone du village qui est définie dans un grand carré. Donc là, on va aller voir l'autre mec là-haut. On va aller. Apparemment, il y a plein de petits villages autour de nous. Vous voyez la carte en bas à gauche. On va essayer d'en avoir un maximum. Bon, un seul émissaire, je sais pas si ça suffira, mais on verra. Pour l'instant, ça marche. Voilà, un allié en plus. En plus, on découvre des zones et tout. Les zones deviennent claires. Donc c'est vraiment un jeu de stratégie contre un ennemi. J'imagine qu'il y a un ennemi. Quelque part, ce serait trop facile sinon. Hein. Donc là, il va falloir que j'aille voir un autre village. Bon, je fais que de naviguer entre les deux côtés, mais bon, c'est pas grave. Regardez, il y a encore des villages là-bas. Et là, il y a de la flotte. Donc on est bien sûr une petite île un peu perdue, j'ai envie de dire. Sur la côte. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est bien beau tout ça, faut que j'attende que l'autre il marche. Je sais pas trop encore Nous ce que je peux un faire, allié je en connais plus. pas du tout le jeu. On avait un allié en plus, donc là il y a les petits soldats qui se met en marche avec son cheval pour faire de la liaison entre les Seul, deux. Je n'arriverai pas à accomplir cette mission. Donc voilà, donc lui il lui faut quelqu'un. Alors comment on fait? Comment je fais pour recruter quelqu'un d'autre? C'est quoi ça? Ça c'est le marchand. Ça a l'air d'être moi ou je sais pas quoi. Ah voilà, c'est trouvé. Donc on va pouvoir faire un émissaire, donc on voit sa petite barre là qui monte en bas à droite. Le temps qu'il met pour être fabriqué ou formé, j'ai envie de dire.
Un jeu de stratégie. Donc là, mon petit bonhomme, il est là. On va l'envoyer sur un autre village, ici. Voilà, donc il va aller traiter. Alors lui, le petit bonhomme, il a fait son boulot ici, donc on va l'emmener sur un autre village. Là. Et on commence à se rapprocher pas mal de la gauche, là-bas. Alors, est-ce qu'on peut sortir des unités d'ici? Ouais, apparemment. Pas d'émissaire, par contre. Ouais. Faut voir un peu ce qu'on peut faire dans les villages différents. Ah, ça y est, on peut en faire un. Donc ouais, ça doit être une histoire d'argent, juste comme ça. Donc lui, il va aller parler à lui. Un allié en plus. Voilà, encore un allié en plus. Un futur allié. Hop, on va aller parler à lui là-bas. Ah, il faut peut-être que je finisse de remplir la barre ici avant. Nous avons un allié en plus. Voilà, je remplis la barre. Hop là, c'est bon. Je pense parce que ça doit être fragile. Après, si les autres doivent... si on a des ennemis, ils doivent faire la même chose. C'est-à-dire venir nous voir, j'imagine. Que désirez-vous ? On va voir ce qui va se passer de toute façon. Donc là, c'est des villages ennemis. On voit que la barre est rouge. Leurs diplomates sont déjà en chemin pour tenter de... Donc ils ont des diplomates qui veulent nous... nous envoyer prêtre. Donc là, il fait demi-tour. Parce qu'on a un diplomate, nous, dans la ville. Et donc, du coup, lui, il peut pas faire son action. Donc, il va falloir peut-être qu'on fasse d'autres diplomates et qu'on les poste dans nos villes. Avant que les autres viennent nous... nous dédiplomacer. J'invente des mots, je sais. J'essaye de trouver des petits mots comme ça. Enlever la diplomatie ou alors la renverser dans leur côté. Regardez que j'en ai récupéré beaucoup plus de villages que eux. Donc pour l'instant, j'ai une sorte d'avantage par rapport à eux. Nous avons un allié en plus. Alors, on va faire d'autres émissaires. Hop là, on peut pas en faire un deuxième là. Ah si, on peut encore en faire un autre. On va attendre. Alors, celui-là, il est où? Où c'est qu'il est, mon émissaire? Il est passé où? Attends, c'est ça, ce machin là? Bien entendu. Voilà, c'est ce truc. Donc on va l'emmener, on va le poster dans les différents villages. On va les poster dans les différents villages avec un S. Voilà. Ah, j'ai des petits villages, je suis content, j'ai plein de petits alliés. Que désirez-vous? Pour le moment, c'est pas gagné. Donc j'aimerais bien le poster ici. Voilà, donc il y va. Je peux pas en faire un autre. J'ai pas assez. Ah si, c'est bon. Je peux en faire un autre. Mais on va peut-être garder notre argent. Parce que... on sait jamais. Je crois que j'ai peur. Je sais pas. Voilà, on va le faire quand même. On va quand même mettre des diplomates de partout. De toute façon, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Pour l'instant, il n'y a pas de combat. Je me dis que si jamais il y a un problème, je vais pas pouvoir construire des unités de combat. Si jamais je me fais attaquer ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est que de la diplomatie. On va peut-être essayer d'aller leur piquer un village. Je sais pas si j'ose ou pas. Je suis à prendre vous. Mon diplomate et l'envoyer chez eux. Leur alliance. Ah, il a dit qu'il allait briser leur alliance. On va voir s'il y arrive. Ce sera un peu trop facile de casser l'alliance comme ça. Je pense que je vais me faire rembarrer. Ils vont me chasser à coups de cailloux. Attention, que va-t-il se passer? Je retourne vers la demeure. Ah, il est reparti. Hop, il s'en va. Bon, bah voilà. C'est ce que je pensais. Ça a pas marché. Des hommes armés viennent d'attaquer notre émissaire. La diplomatie a fait son temps. Place aux armes. Recrutez des mercenaires. Voilà, donc allez, ils ont des troupes qui m'envoient sur la tronche. Il va falloir que je fasse des troupes aussi. Est-ce que je peux en faire? Des soldats, trucs bidule là. Mercenaires. Hop, on va construire ce machin, je sais pas ce que c'est. On verra bien. C'est un petit peu long, allez, ça construit. Ils vont passer devant. Allez, construisez. Ils sont où, mes soldats? Quels sont les ordres? Ah, ils sont ici, c'est ça? Ouais, bah d'accord, je les ai construits là-bas, mais ça a construit ici. Allez, attaquez-moi ces mecs. J'aurais dû faire des cavaliers, mais bon, du coup, ils sont à pied.
Ça va pas être top contre ce mec. Voilà, j'ai encore des troupes qui sont construites. Ah, nous avons perdu un allié. Nous avons perdu un allié. Ah bah c'est ballot. C'est-à-dire qu'ils ont cassé un truc diplomate. Oui. Je suis prête. Un truc de l'émissaire, enfin du vrai. Je dis un peu n'importe quoi, mais on va dire que c'est ça. Bon, j'ai quand même envoyé pas mal de troupes sur deux soldats à cheval. J'aurais dû faire des soldats à cheval direct. La situation est devenue trop dangereuse pour un émissaire. Il nous... Donc il me faut un espion. Alors, un espion, où c'est que je trouve ça? Dans quelle catégorie se trouvent les espions? Ah bah, ils sont là. Hop là, on va construire un espion. Pour aller, bah, espionner. Comme son nom l'indique. Par contre, donc j'ai perdu ma ville là-bas. Il faudrait peut-être que je la récupère. Ça serait plutôt bien. Parce que là, ils m'ont quand même grugement ma ville. Je me sens un peu déçu. L'espion peut se déplacer sans être vu et conclure des accords secrets. Envoyez l'espion dans les villes adverses et voyons qui serait prêt. Donc l'espion va servir à conclure des accords secrets. Ouais, donc ça doit être pour une sorte de mutinerie, pour organiser des mutineries ou quelque chose comme ça, ou pour retourner le village dans notre sens, mais officieusement. On va voir. On va bien voir ce que ça donne. Oui. Alors où c'est qu'il est mon espion? Là, voilà. Ah putain, je l'avais. Voilà. Donc j'ai mon espion, il est à cheval, donc c'est plutôt pratique pour le déplacer. Je m'en charge. Je suis à vous. Alors, lui, il va aller récupérer mon village à moi déjà, ça sera pas mal. Leur alliance. Ce sera un bon début. Ensuite, il va falloir que j'envoie mon espion. Mon espion. Où est mon espion? Ouais. Bah, il y va, non? Qu'est-ce que je raconte? Là, c'est mon émissaire. Ça, c'est... C'est pas mon espion du tout, je crois. J'y vais. Non, là, c'est... Donc là, c'était mon émissaire, donc je suis un peu con. On va essayer de récupérer le village, mais j'aurais bien aimé envoyer mon espion. Il me semblait que j'avais cliqué. Alors, il est où? C'est lui, mon espion, non? Où c'est qu'il est? Il est là. Je vous écoute. Voilà. Après, c'est la tête de l'espion. Très bien. On va l'envoyer se déplacer. Voilà, ça y est. Donc, c'est bien mon espion qui était à cheval, je disais. Il me semblait que je l'avais bougé, mais non, en fait, je l'avais laissé en plan. Alors, on va aller espionner cette ville-là. Bah, la mienne, quoi. Enfin, anciennement la mienne. Allez. Donc c'est bien, c'est que l'espion est à cheval. C'est plutôt pratique parce que, comme je disais, l'autre il a mis sa vie à venir à un machin. Alors l'espion, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Que fait l'espion? Pour l'instant pas grand-chose. Ouais. On va plutôt l'envoyer là. Parce que l'autre, il est en train de réduire la barre d'alliance de notre ennemi. On va voir l'espion ce qu'il peut faire dans ce village. Alors, ah ouais, donc la petite barre bleue qui se remplit, ça doit être ça, l'espionnage. Alors attention, petite question, point d'interrogation. Nous avons conclu un accord secret. Cette alliance. Donc voilà, il y a un accord secret, la barre est remplie à fond. Donc, officiellement, c'est notre ennemi, mais c'est quand même à nous. Je retourne à la demeure. Donc on a des marchands qui se promènent quand même. Entre les deux, bon, c'est pas très discret. Donc ça, je pense que c'est pas le genre d'alliance qui doit durer longtemps. Il doit falloir très vite mettre en place sa stratégie parce que si on se fait découvrir, ben on perd directement le village, quoi, je pense. Les gens se posent des questions sur « Ah, tiens, c'est qui ce mec ?» Voilà. Donc j'aime pas tellement ce style de jeu. Parce qu'on va parler un peu du jeu quand même. Bon, les graphismes sont bien, mais je m'attendais à quelque chose d'autre parce que bon, Game of Thrones, Trône de Fer, c'était pas totalement ce style-là. Donc là, c'est Game of Thrones Genesis.
Je vous écoute. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop ce genre de jeu stratégie comme ça. J'évite un peu d'y jouer ou d'en faire comme un peu StarCraft, comme un peu Warcraft. C'est pas mon style. J'aime mieux les jeux d'action, les jeux de tir, les jeux. Les jeux où ça bouge. Ça bouge vraiment. Ah, voilà, mon espion a été découvert. Donc voilà, c'est mort pour celui-là. Il faut que j'essaie de récupérer quand même au moins mon village, mais mon espion, il a disparu, je crois. Ouh, mon espion! J'imagine qu'il s'est fait décoller dessus, il a dû se faire couper la tête, ou j'en sais rien. Ils ont dû le tuer. Normal, en même temps, pour un espion. Aïe! Oula, je suis un petit peu fatigué, moi. Alors, on essaie de récupérer là. Hop! Nous avons conclu un accord secret. Donc, j'ai conclu un accord secret avec mon ancienne ville. Donc je vais pas tenir mieux que les autres, je pense. Donc on envoie mon espion ici, encore une fois. En espérant que ça remarche. Ah, les mecs, ils viennent de découvrir un espion. Oh tiens, un autre mec, c'est bizarre. Oh là là, il y a eu des gros lags, je crois que ça lag un peu. Ou alors c'est moi, je sais pas. J'espère que ça se verra pas. Enfin bref. Donc là, je vais essayer d'aller voir l'autre ville. On conclut un autre accord secret, si ça marche. On se rapproche quand même pas mal de l'autre, même si c'est pas encore ça. Nous avons conclu un accord secret. Il faudrait que je sois un peu plus offensif, que j'essaye de... Ouais, donc ça marche. Ouais, j'essaye de... d'attaquer avec des troupes ou quelque chose comme ça. Parce que le mec, il joue quand même. Bon, c'est un PC, mais c'est... Enfin, c'est intelligence artificielle, mais... Bon, j'imagine qu'il joue un peu quand même aussi. Donc, cette alliance doit demeurer. Je pense que c'est bizarre, mais il se prépare à m'en mettre plein la tête. Il n'y a pas de mode facile, hein. Il y a mode normal, difficile, expert. Voilà. Mode facile, ils connaissent pas ici. On va essayer de conclure ici avec un petit accord. Ah non. Non, il a pas voulu, il est reparti. Mais c'est un flemmard ce mec. Ce feignasse quoi. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là, ce sera tout pour Game of Thrones Genesis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.